Peuple congolais. Peuple congolais, peuple du Congo. L'alarme sonne dans tout le pays. Alerte générale. Réveillez-vous, peuple endormi. Réveillez-vous, peuple assourdi. Réveillez-vous, peuple aveuglé. Partout, les grands statues fétichiste de Monsieur 8% qu'il a mis dans pas mal des ronds-points de Brazzaville pour vous aveugler les yeux. Peuple congolais, il est temps que vous ayez ce message clair. Le pool est un lieu de Dieu. Le pool est un lieu béni par Dieu. Peuple congolais, il est temps de finir avec la stratégie démoniaque de Monsieur 8%, qui est Sassou Nguesso, la menace du peuple congolais. Sassou Nguesso est le malheur du peuple congolais. Sassou Nguesso adore la viande humaine. Il aime beaucoup le sang humain. Peuple congolais, il est temps que vous ouvrez les yeux. C'est Georges Passy, le résistant combattant de force, qui vous parle. C'est le cri de l'alarme de toute la nation congolaise. Éveil pratique, éveil national. Réveillez-vous, peuple endormi. Au nom de Dieu le Père Tout-Puissant, il est temps que nous finissions avec toute la barbarie de Monsieur 8%. Il est temps de finir avec tout le cinéma de Monsieur 8% qui est Sassou Nguesso, l'homme le plus recherché du monde. Sassou Nguesso, sa place doit finir à la CPI. Il est clair et net. Nous sommes la nouvelle génération qui allons libérer le peuple opprimé par un dictateur, par un voleur des élections du peuple, par un voleur de l'électorat du peuple. Sassou n'était pas élu au Congo, mais Sassou est un voleur, un imposteur, peuple congolais. Il est temps, la liberté, il est temps de pouvoir avoir sa vraie liberté. Il est temps de saisir la chance d'être libre. Il est temps de dire non aux mensonges impitoyables de Monsieur 8% dans la République. Le siège du pouvoir du Congo-Brazzaville n'appartient pas à Monsieur 8% ni à sa famille. Il est temps que vous ouvrez vos deux oreilles. Il est temps que vous ouvrez vos deux yeux. Peuple du Congo, peuple Congo, il est temps, vaillant peuple des nations, il est temps que nous nous levons tous pour écraser le cafard qui est la menace de la République. Ce cafard, c'est Sassou Nguesso, l'ennemi juré numéro 1 du peuple congolais. L'ennemi juré numéro 1 de toute notre Afrique. Peuple du monde, nous vous demandons de mettre barrage à Monsieur 8%. Nous vous demandons, peuple du monde, de nous rejoindre. Nous, la force et la détermination de finir avec ce cafard, Monsieur Sassou Nguesso, Monsieur 8%, l'homme le plus recherché du Congo, l'homme qui aime boire le sang humain du poule, l'homme qui aime manger la viande du poule, la viande, la chair humaine du poule, car il transforme cette viande en viande d'animal pour pouvoir manger. La viande humaine, il la transforme en viande d'animal et ils les font fumer et ils les mangent. Peuple Congo, réveillez-vous.
Il est temps de finir avec le système des vampires. Il est temps de finir avec le grand vampire qui est Sassou Nguesso. Qui est Sassou Nguesso et toute sa bande de cafards qui ont mis en route le projet, le vivre ensemble. Nous ne vivrons jamais ensemble avec des cafards. Nous ne vivrons jamais avec des femmes qui ont trahi toute la diaspora ici à Paris, qui ont fait semblant hier de dire Sassou dégage, mais au fait elles étaient là pour leur ventre. Ces femmes sont la grande menace de toute la République du Congo, peuple congolais. Les photos circulent dans le net. Quand vous verrez ces femmes, après Sassou, monsieur 8%, quand vous verrez ces femmes au Congo-Brazzaville, vous-même, vous serez ce que vous ferez. Peuple libre, peuple libre, peuple du Congo. La liberté nous appelle. Nous devons confisquer notre vraie liberté. Nous devons caillasser tous les cafards qui massacrent le peuple dans la République. Peuple du Congo, peuple libre, peuple avec détermination. Vous devez être déterminé pour finir avec le cafard dans la République. N'ayez pas peur, l'heure nous appelle, peuple vaillant, de finir avec Monsieur 8%, le cafard dans la République. Un seul individu, depuis des générations de Machokota Poabou Massoumé, fait des massacres et des massacres. Cet homme a tant tué et continue à tuer au XXIe siècle avec l'aide de la France. La France est l'ennemi numéro un du peuple congolais. La France est l'ennemi numéro un du peuple de la RDC. La France est l'ennemi numéro un du peuple du Gabon. La France est l'ennemi numéro un du peuple du Togo. La France est l'ennemi numéro un du peuple du Tchad. La France est l'ennemi numéro un de tout le peuple africain. Peuple africain, il est temps que nous...